La Chine dit qu'elle est parvenue à un consensus positif avec l'Inde pour apaiser les tensions frontalières. Cela fait suite à la conversation téléphonique dimanche entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde, Ajit Doval. Pékin affirme que les deux parties ont convenu que les différends frontaliers ne devraient pas dégénérer en conflit et les deux parties devraient plutôt se concentrer sur le développement. Ils ont également réaffirmé leur engagement envers les accords frontaliers déjà signés et se sont engagés à travailler ensemble pour désamorcer davantage les tensions. La Chine affirme que les communications seront renforcées et que des mesures seront prises pour renforcer la confiance dans les régions frontalières. Les deux hauts responsables ont également convenu d'aller de l'avant avec le désengagement des troupes de première ligne dès que possible. Les négociations interviennent après un dialogue de haut niveau sur les affrontements frontaliers qui ont eu lieu à la fin du mois de juin, avec des décès et des blessures signalés des deux côtés. L'Inde a également annoncé l'interdiction de 59 applications chinoises, y compris TikTok et WeChat.